Vaste, aujourd'hui un mot de Poggiardo, a été une importante ville messapienne du territoire salentin. On peut admirer une partie des vestiges antiques dans l'imposant parc des guerriers, situé à quelques kilomètres de la zone habitée. Dans la célèbre carte géographique de Soleto, l'une des plus anciennes productions cartographiques de l'Antiquité, le village est enregistré en langue messapienne comme Basta, et il est cité dans les œuvres des grands géographes grecs et romains comme Ptolémée et Pline. Vaste fleurit en tant que communauté pendant l'Empire romain et byzantin, pour être tragiquement détruite par les Normandes pendant la moitié du XVIIe siècle, sous les règnes de Guillaume le Mauvais. Au XVIe siècle, grâce à la contribution des familles feudataires, Vaste construit son nouvel aménagement urbain sur les anciennes ruines, qui correspondent à l'actuelle bourg antique, caractérisée essentiellement par la présence du palais baronial et de l'église paroissiale. L'église mère, dédiée à la Madone des Grâces, a été réédifiée dans les nouvelles formes du XVIIIe siècle, grâce à l'aide du baron Ipazio de Marco, lequel encouragea la reconstruction de l'ancien édifice datant du XVIe siècle. La façade, caractérisée par des formes sobres et solennelles, est marquée par la présence de deux ordres, tandis que le portail en pierre est surmonté par les blasons civiques de Vaste. L'intérieur présente une seule nef et des autels latéraux, sculptés selon les canons de l'art de la fin du XVIIIe siècle. À côté de l'église paroissiale, on peut admirer le palais baronial, qui montre encore les signes de son ancienne origine militaire, comme le rappelle la présence de l'austère tour carrée. La structure a été agrandie et modifiée au cours de l'époque moderne par les feudataires du lieu, afin de réaliser une résidence nobiliaire confortable et convenable. Aujourd'hui, les grandes salles du palais abritent le musée archéologique, parmi les institutions culturelles les plus importantes de la province de Lecce. Les protagonistes et les patrimoines historiques de l'ancienne ville messapienne de Vaste. Très caractéristique est la reconstruction de la tombe du chevalier et de l'athlète, des témoignages retrouvés lors des fouilles de 1985, organisées par l'Université de Lecce. Un voyage dans la tradition artistique de cette ancienne terre, comme le rappellent les trousselles, les typiques pots d'époque messapienne, ou les cratères à figure rouge, des exemples des peintures du territoire, souvent attribuées par les archéologues à l'estrus de peintre de Vaste. Très intéressants sont les célèbres petits magots, constitué par 150 pièces d'argent et une collection de cartes à jouer en ivoire, rare instrument ludique d'époque romaine. Le musée archéologique est un grand foyer d'innovation et expérimentation des managements culturels. En effet, une partie du palais, avec la caractéristique plantation d'agrumes, abrite un élégant museum café, connu par les Salentins pour les excellents apéros et la bonne musique. Vaste est un joyau de l'histoire millénaire salentine, capable de montrer aux visiteurs l'important patrimoine culturel, conservé avec intelligence et bon goût.